Les 10 choses à ne surtout pas faire en tant qu'artiste débutant. Bienvenue dans cette vidéo, t'es avec Spike pour selfmusic.fr, la chaîne qui aide les artistes et les acteurs de la musique qui s'aident déjà eux-mêmes. Et si c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo de conseil comme celle-ci. Et en description de la vidéo, tu pourras trouver des formations offertes, que ce soit sur l'écriture de texte, le flow et la sortie de projet. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les 10 choses à ne surtout pas faire quand on se lance de la musique et tout simplement pour prendre de bonnes habitudes. D'accord ? Donc, c'est parti, on démarre tout de suite avec la première astuce. La première astuce, c'est une astuce au niveau du mindset, c'est-à-dire de l'état d'esprit que tu dois avoir. Première chose à ne surtout pas faire, ne jamais te sous-estimer. C'est-à-dire que même si tu es un débutant, tu dois savoir que tu es capable de faire, d'écrire un texte. Tu dois croire que tu es capable de le faire. Beaucoup de gens le font, tu vois. Donc, toi aussi, tu dois te sentir capable de le faire. D'accord ? Donc, comment faire pour ne pas se sous-estimer ? Bah, tout simplement te dire que même ton artiste préféré a été débutant un jour. Donc ça veut dire il s'est trompé, il a fait des erreurs, il a été moyen, il a été médiocre. Il faut passer par là pour atteindre l'excellence. Donc si toi tu passes par là, ne te sous-estime pas, dis-toi juste que c'est une période, c'est une phase et qu'au fur et à mesure que tu avances, bah, tu vas t'améliorer. Et même si, même lorsque tu arrives à un certain niveau, tu verras qu'il y aura toujours une marge de progression. Donc, à n'importe quel moment, tu peux être tenté de te sous-estimer, d'accord? Mais, en te rappelant que c'est un processus d'amélioration progressif, ça te permettra d'éviter justement de te sous-estimer, de, au contraire, te féliciter pour tes progrès, tout simplement, d'accord? Et donc, ça, c'était la première chose à ne pas faire. Deuxième chose à ne pas faire, c'est de commencer des textes sans les finir. Alors ça, je l'ai déjà dit dans différentes vidéos et je le répète encore une fois parce que la répétition fixe la notion. Plus tu m'entendras dire ces choses-là et plus ça sera assuré que tu les appliques. D'accord ? Donc, chose à ne pas faire, commencer un texte sans le terminer. Et je parle de texte, mais on peut parler de plein de choses, de projets, de tâches, commencer une tâche sans la terminer, etc. etc. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est tout simplement pour les habitudes. C'est une question d'habitude. Une question d'habitude. Et si tu le fais dans la musique, tu le feras dans la vie tous les jours. Ou si tu le fais déjà dans la vie tous les jours, tu le feras dans la musique naturellement. Quand tu commences quelque chose, tu le termines. Donc là, vu que j'ai beaucoup sur cette chaîne, j'ai démarré avec pas mal de vidéos sur l'écriture. Je mets l'accent sur le fait de terminer un texte lorsqu'on l'a commencé. Mais au fur et à mesure que je vais évoluer sur cette chaîne et on va passer à la construction de projet, ça sera la même chose. On ne démarre pas un projet sans le terminer. D'accord ? Ou même si on ne le termine pas, on comprend les raisons de l'abandon. Ou si on décide d'arrêter, on le décide consciemment. D'accord ? Et ça, c'est très important. Donc, deuxième chose à ne pas faire, commencer un texte sans le terminer. Ou, de façon plus générale, commencer une tâche sans la terminer. Troisième chose à ne pas faire, attendre l'inspiration. Alors ça, c'est le tueur de carrière, clairement. Attendre l'inspiration. On n'attend pas l'inspiration, on stimule l'inspiration. D'accord ? Donc, j'ai déjà fait des vidéos sur comment stimuler l'inspiration. L'inspiration peut venir de partout. L'inspiration peut venir à n'importe quel moment. C'est pour ça que j'ai donné des conseils sur d'autres vidéos de toujours avoir de quoi noter, de quoi s'enregistrer. D'accord ? Mais le fait d'attendre l'inspiration, c'est se mettre une balle dans le pied. C'est comme se dire, j'attends d'avoir de l'argent pour investir. Non. Investis du temps à faire de l'argent et avec cet argent, tu vas pouvoir investir. D'une autre manière de le dire, j'attends l'inspiration pour pouvoir écrire. Non, mets-toi devant la feuille et là, tu vas trouver l'inspiration et tu vas pouvoir écrire. D'accord ? Et pas l'inverse.
Donc, très important, ne jamais attendre l'inspiration pour démarrer l'écriture d'un texte. Ok? Donc, j'entends déjà, alors, j'arrive, puisque j'entends déjà certaines questions. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut se forcer. Les boxeurs professionnels, des fois, ils n'ont pas envie de s'entraîner, mais ils vont s'entraîner pour obtenir les résultats dont ils ont besoin. Des fois, ils sont plus motivés. Il y a des gens qui sont plus motivés que d'autres, mais des gens ne sont pas motivés. Donc voilà, parce que j'ai vu des commentaires sur la vidéo qui me disaient « Ouais, mais non, mais là, c'est forcer le truc. Si le boulanger, il se force pas le matin à se lever pour aller faire des baguettes, pas de baguettes. S'il n'est pas inspiré pour aller faire des baguettes, pas de baguettes. Non, il se force. D'accord ? Donc ça, c'était le quatrième conseil, la quatrième chose à ne pas faire. Cinquième chose à ne pas faire, à ne surtout pas faire, laissez passer une semaine sans avoir écrit. Laissez passer une semaine sans avoir écrit. Et encore, je devrais être plus dur que ça, je devrais dire laissez passer un jour sans avoir écrit. D'accord ? Mais je reste sur le une semaine. Ok ? Pourquoi ? L'écriture, comme tout, c'est un muscle. Et ce muscle-là, il faut l'entretenir, il faut le développer. Et il suffit que tu arrêtes un jour, deux jours, la performance, elle est moins bonne que si tu le faisais quotidiennement. Il y a une expression, un dicton qui dit « Si je ne m'entraîne pas un jour, je le sais, je suis au courant. Si je ne m'entraîne pas deux jours, mon coach le sait. Si je ne m'entraîne pas trois jours, alors le public le sait. » D'accord ? Donc ça veut dire que ça se remarque lorsqu'on n'a pas écrit pendant un bon moment. D'accord ? Donc, chose à ne pas faire, laissez passer une semaine sans écrire. Sixième chose à ne surtout pas faire, négliger les collaborations. Négliger les collaborations. D'accord ? Donc, en négligeant les collaborations, on reste isolé et on ne se crée pas d'opportunités. Alors que les collaborations sont des opportunités à la fois de grandir, d'être challengé et tout simplement d'évoluer. Donc, les collaborations, ça peut être des collaborations avec d'autres artistes ou alors des collaborations avec des acteurs de la musique comme des beatmakers, ingénieurs, pas managers, bookers, organisateurs d'événements, etc. etc. Les collaborations sont toujours une source d'opportunités nouvelles. Négliger ça, en fait, c'est réduire ses chances de réussite dans la musique, tout simplement. La septième chose à ne pas faire, c'est de rester sur ses acquis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu as sans doute appris à faire les choses d'une certaine manière, tu as sans doute une façon de fonctionner qui t'a permis d'obtenir des résultats aujourd'hui. Peut-être que tu as besoin de différents résultats. Et donc, pour avoir différents résultats, il faut faire des choses différentes. D'accord ? Donc, rester sur ses acquis, c'est finalement ne pas évoluer. Garder un mode de fonctionnement alors que les choses autour de toi évoluent. Et elles évoluent très vite. Ok ? Donc, quand je dis rester sur ses acquis, ça peut être sur plein de choses. Que ça soit sur ta technique d'écriture, ta façon d'enregistrer en studio, tes connaissances de l'industrie musicale, l'équipe qui t'accompagne, si tu as toujours les mêmes personnes autour de toi, tu auras peut-être toujours les mêmes informations et toujours le même type de soutien ou de conseil. Rien que ça, ça te donne une idée des challenges que provoque le fait de rester sur ses acquis. Okay? Donc, il faut dépasser ça et ne pas rester sur ses acquis, ça entraîne forcément un certain inconfort. D'accord ? Et cet inconfort, c'est ce qui est recherché pour pouvoir grandir, tout simplement. Donc, ne reste pas sur tes acquis. Va chercher à savoir plus, à faire mieux et faire davantage, être productif aussi. Huitième chose à ne surtout pas faire, c'est ignorer les tendances et l'évolution. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ignorer les tendances ? Je veux dire que la musique évolue vite, les artistes, ça bouge beaucoup, ça fluctue beaucoup. Les artistes qui sont en haut de l'affiche ou qui sont mis en avant, l'exposition des artistes. Alors, on va dire les choses correctement, l'exposition des artistes change beaucoup, d'accord ? Il y a beaucoup de roulements et c'est important de comprendre ce roulement
pas forcément être influencé, puisque c'est quelque chose, c'est pas quelque chose que je recommande, d'être au courant des tendances, c'est quelque chose que je recommande, de les suivre, c'est quelque chose que je recommande moins, parce que tu as ta personnalité à exprimer, mais le fait de suivre te permettra d'ajuster ta manière de faire, ta manière de te présenter et de rester dans la course tout en restant dans ton créneau. Et ça, c'est très important pour ton branding et pour pouvoir attirer une fanbase qui s'intéresse vraiment à toi. Neuvième chose à ne surtout, surtout pas faire, c'est de copier au lieu d'innover. D'accord ? Copier au lieu d'innover. Donc, j'en parlais déjà par rapport aux tendances. Le but n'est pas de copier la tendance ou de copier l'artiste tendance du moment. Le but, c'est clairement d'innover. C'est-à-dire que même s'il y a une tendance, même si tu surfes sur la tendance, c'est d'apporter quelque chose de nouveau sur cette tendance ou quelque chose d'unique. Finalement, en gardant ta personnalité, tu apporteras clairement quelque chose d'unique parce qu'on est chacun unique, chacun a sa manière de faire, chacun a sa manière de dire les choses et de les exprimer. Mais le but, c'est vraiment ça. C'est d'arriver et d'apporter davantage de valeur sur le marché de la musique en arrivant avec quelque chose de nouveau à chaque fois. Et c'est de cette manière que tu arriveras à te démarquer. Si tu arrives, je donne un exemple, si tu entends, si tu écoutes le dernier Niska et tu arrives en studio, et tu dis à ton beatmaker, je veux le son, je veux la même instru que Niska, je veux le même... le même mixage que Niska et écoute les paroles que j'écris, t'as vu, c'est le même délire. Voilà, ça va pas fonctionner, tu seras toujours un deuxième Niska, un petit Niska, la pâle copie, tu vois. Donc au lieu d'être la pâle copie de quelqu'un d'autre, soit la meilleure version de toi-même. Donc c'est en ça que je dis, chose à ne pas faire, ne pas copier, mais innover. Ok. Ensuite, la dixième chose à ne pas faire et qui est lié au fait de ne pas rester sur ses acquis, c'est d'éviter de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. D'accord ? Chose à ne pas faire, faire encore et encore et encore les mêmes choses de la même manière et espérer obtenir un résultat différent. C'est une manière différente de dire rester sur ses acquis. Le but, c'est de chercher à chaque fois des manières différentes de faire ce que tu fais déjà. D'accord. Si tu as eu l'habitude d'écrire un texte, je donne un exemple. Hein. Si tu as toujours eu l'habitude d'écrire un texte en commençant par le refrain, commence peut-être par le couplet. Si tu as toujours eu l'habitude d'écrire des textes sans les enregistrer, peut-être que c'est temps de les enregistrer. Et le fait de les enregistrer, ça te sort de ta zone de confort en te disant « Oh, j'écris des textes qui sont trop lourds. Va les enregistrer. » Et là, tu pourras le faire écouter aux gens et les gens pourront te dire que c'est lourd. Sinon, tu restes une fois de plus dans ta bulle, sur tes acquis, en train de te dire que ouais, tu fais un vrai travail, mais ce travail-là, il doit être partagé avec les gens et c'est ton but en tant qu'artiste. Donc, voilà de façon générale les 10 choses à ne pas faire lorsqu'on débute pour pouvoir évoluer rapidement. Si tu as trouvé que dans cette vidéo, il y avait de la valeur, je t'invite à me lâcher un gros like. Je t'invite également à commenter, à me laisser en commentaire laquelle de ces astuces a été la plus pertinente pour toi et laquelle de ces astuces tu vas mettre en application. N'hésite pas également à partager cette vidéo autour de toi si tu connais des artistes pour qui ces conseils seraient utiles. Et bien évidemment, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour être notifié et à regarder en description de cette vidéo pour avoir accès à des formations offertes sur l'écriture de texte, le flow et la sortie de projet. Donc je te remercie pour ta présence, pour ton attention et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, go !